Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette d'escalope de poulet au comté. Une petite recette franchement très facile, très rapide et un régal. Donc ici, j'ai trois escalopes de poulet que j'ai déjà débarrassées un peu de la petite graisse, là, les petits nerfs qui étaient sur les côtés. J'ai 220 g de comté que j'ai râpé, trois échalotes, du poivre, du sel, 150 ml de vin blanc et j'ai prévu trois petites briques de crème fraîche, là, 20 centilitres la petite brique. Je vais déjà en ouvrir deux et on verra pour la troisième si j'ai pas assez de sauce, je l'ouvrirai à ce moment-là. Et il vous faudra aussi un morceau de beurre pour faire revenir les escalopes. C'est parti pour la recette. Alors là, je viens de mettre le beurre dans la cocotte chaude, j'attends que ça fonde et je mettrai ensuite les escalopes. Alors vous voyez, c'est pas un gros morceau, hein, il n'y a que trois escalopes, donc. Mais par contre, je mets du beurre, pas d'huile. Pour cette recette, je ne mets pas d'huile. Quand le beurre commence à prendre un peu de couleur, là, hop, je mets les escalopes. Je les fais dorer de chaque côté. Il ne faut pas que ça colle, hein. Quand elles sont dorées d'un côté, je les retourne et je mets les échalotes. Voilà, j'attends une ou deux minutes. Alors, je ne veux pas les faire griller les échalotes, hein, c'est juste pour les faire fondre un petit peu, hein, qu'elles soient un peu translucides. Voilà. Quand les escalopes sont bien dorées des deux côtés, je les enlève et je viens déglacer au vin blanc. Hop. Je récupère tout ce qui est collé dans le fond, tous les sucs. Voilà. Je laisse mijoter un petit peu le temps de faire évaporer l'alcool. Alors à ce moment-là, je mets le poivre. Hop. Tout petit peu de sel parce que le fromage est déjà bien salé. Je préfère en rajouter à la fin. Alors maintenant, je vais remettre les escalopes dedans. Hop. Si je vois que ça manque un peu de sauce, je rajouterai un petit peu d'eau avant de mettre la crème. Ça sent déjà très très bon. Je poursuis la cuisson et je vous reprends. Alors après 5 minutes de cuisson,
J'ai ajouté 2 briques de crème fraîche. Alors, 2 briques, ça fait déjà pas mal. Je ne vais pas ouvrir la troisième. Voilà, on va tout mélanger là. Et quand tout sera bien mélangé, je vais introduire le comté. Hop. Alors ça change un peu des escalopes à la crème comme on fait souvent, hein, la petite recette traditionnelle. Ça change un peu. Bon, c'est pas une recette de régime, hein, avec la crème, le comté, tout ça, franchement. Mais c'est tellement bon. Donc ça, on l'accompagne, cette petite recette de purée ou de pâte, ce qu'on a envie en fait, hein. Alors voilà, maintenant que tout est bien mélangé, j'ajoute le comté. Voilà, je viens de mettre le comté dans la cocotte. Donc ça va fondre gentiment. Hop, on met le feu au minimum. Parce que là, il faut surtout pas que ça colle. Ça commence déjà à faire des fils. Hop. Ça sent trop bon. Alors là, je ne ferai pas la dégustation avec vous parce que bah, j'attends que mon chéri soit rentré. Donc ça nous fait notre petit repas. Pour nous deux, plus bah, sa gamelle pour demain midi. Voilà. Alors là, on laisse mijoter comme ça 2-3 minutes. Alors surtout, il faut surveiller, hein, remuer de temps en temps. Il ne faut surtout pas que ça attache dans le fond de la cocotte. Et ensuite, bah, votre recette est prête. Voilà. Je vous reprends quand c'est fini. Voilà, la recette est terminée. Alors moi, j'ai coupé le feu au moment où la grosse ébullition est revenue. Et c'est prêt. Voilà. Alors j'ai mis un tout petit peu de sel. J'ai bien fait parce que là, avec le fromage, bah, franchement, c'est nickel, hein. J'ai goûté la sauce. C'est trop, trop bon. Donc, avec ça, moi, je vais faire des tagliatelles. Et puis bon, comme je vous disais, hein, on fait ce qu'on veut comme, comme garniture, hein, de la purée, des pommes de terre au four, des frites, pourquoi pas, des pâtes, bah, ce qu'on aime en fait. Hein. Voilà, et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je vais goûter la sauce. Qu'est-ce que c'est bon. Mmh. Trop, trop bon. Je vous le conseille. Bye bye.